je suis Thomas Billancourt, cofondateur de Tobin Live. J'ai demandé à Guillaume Killer de Chardin, Christine Cardellan et Franck Dutille, mon associé, de venir vous accueillir. En tout cas, je vous remercie d'être là ce matin. Encore une fois, merci d'être si nombreux et bonjour à tous pour cette deuxième édition des rendez-vous des missions handicap. On est évidemment très, très heureux d'être à cette deuxième édition et donc d'avoir réussi à pérenniser cette rencontre et cet événement important, les rendez-vous maintenant semestriels sur le handicap, dans un contexte économique assez difficile ces 12 derniers mois et où effectivement l'insertion des personnes en situation de handicap peut passer parfois au second plan. Donc le fait que vous soyez tous aujourd'hui mobilisés est très important pour nous. Je félicite aussi les initiateurs et les organisateurs de ces rendez-vous, toute initiative tout à fait remarquable et dont l'ADAPT se réjouit tout particulièrement. L'ADAPT est une association qui vient de fêter ses 80 ans et qui est... s'occupe de l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Et notre orientation a toujours été celle de favoriser l'insertion professionnelle dans toute la mesure du possible en milieu ordinaire, c'est-à-dire dans les entreprises, dans les administrations. Et nous avons beaucoup milité pour la loi de 2005 qui a ouvert le monde du handicap vers l'extérieur et, je dirais, les citoyens, les entreprises vers le monde du handicap. Et c'est donc une étape très importante qu'il faut maintenant, bien sûr, réaliser, ce qui n'est pas évident. Mais enfin, la mobilisation de ce matin montre que c'est en cours. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Stéphane Brousse, vous êtes conseiller auprès de Laurence Parisot, conseiller TPE-PME. Est-ce que vous pouvez un peu nous... j'irai raconter un peu votre mission au quotidien, votre vision du handicap et un peu quelles sont les problématiques des TPE en la matière et des PME. Oui, je vais peut-être vous décevoir très rapidement parce qu'en fait la problématique de l'insertion des personnes handicapées est la même bien sûr au niveau des TPE, des grandes entreprises, au niveau de la société en général. Il n'y a rien de particulier. Simplement l'entreprise on crée des emplois dans l'entreprise et on pense, nous en tout cas, que l'insertion par l'emploi est extrêmement structurant, et en particulier pour ces publics handicapés. Bonjour à tous, donc, je suis Mathieu Doré d'Opinionway, je vais vous présenter les résultats de la deuxième vague de l'enquête qu'on a réalisée auprès de responsables RH, dirigeants, et puis même parfois responsables de mission handicap, d'entreprises françaises de 20 salariés et plus, c'est-à-dire le périmètre qui est concerné immédiatement par... le dispositif législatif qui va se durcir d'ailleurs à leur égard à partir du 1er janvier prochain. Bonjour à tous, donc, je suis Jean-Philippe Alozzi, conseiller technique handicap auprès de Nadine Morano. Combien il y a de personnes handicapées? Personne n'en sait rien, enfin, même si on annonce des chiffres plus ou moins consensuels. Combien il y a de travailleurs handicapés? C'est pas évident à savoir. L'analyse qui peut être faite par l'AGFIP d'une part, par la DARES, le service du ministère du Travail d'autre part, ne sont pas toujours d'accord, ne sont pas toujours synchrones. C'est la reconnaissance du handicap, on l'est ou on ne l'est pas. Qu'est-ce qui fait qu'on est handicapé ou pas? En France, on a une définition qui permet au moins de poser un certain nombre de choses, mais qui finalement est assez large. Et ensuite, la définition du handicap se déduit d'éligibilité à certaines prestations. Donc on a une différence. Donc quand on compare avec l'Italie, on n'a pas du tout la même manière de considérer les choses. Pour certains, les surprendre, nous sommes une mission handicap où la société générale a voulu mettre les moyens puisqu'elle comprend 7 personnes. 7 personnes à la mission en centrale, accompagnées naturellement de relais dans les régions et dans les directions. Ce qui permet quand même de mettre en place une politique vraiment, je dirais, sérieuse et vraiment un peu efficace. Sur la partie handicap, ce qui nous intéresse, c'est vrai qu'on dit que ce sont des métiers handi-accessibles, et c'est vrai qu'ils le sont fortement, parce qu'on a des métiers où effectivement on a assez peu de contraintes physiques. Alors il y a des handicaps un peu spécifiques. Ouais, toute la journée. Voilà, alors sur handicap moteur qui vient tout de suite dès qu'on parle du handicap, évidemment nous là on est facilement adaptable. Mais il y a d'autres types de handicaps, même au niveau, je dirais par exemple, des malvoyants, où on a
toute une série de possibilités de postes équipés avec des postes en braille, avec des logiciels qui nous permettent de faire des tas de choses assez fantastiques. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'on a un métier qui nous permet à la fois par l'ergonomie, l'adaptation du poste de travail, et ensuite par l'adaptation aussi des cycles horaires, parce que ça c'est important, on est capable d'adapter des cycles horaires, à la fois dans la semaine, dans la journée, d'adapter ces horaires qui sont plutôt favorables au travail des personnes handicapées. On peut aussi faire des accords d'entreprise, et ce qu'on essaie d'encourager au niveau de la mission, au niveau de l'aménagement, sur des temps de pause, etc., etc. Alors on va continuer dans le concret en demandant à Marine Dubois, qui est donc chargée de RH et qui est à la mission handicap de Noroto. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une formation, enfin dans notre mesure, on a mis en place une formation à l'interne chez nous. Donc on sait qu'on a des besoins sur certains métiers, on a créé une formation avec nos formateurs à l'interne et finalement qui s'adresse à des publics demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés. Ça nous permet d'allier le système AFPE, je ne sais pas si tout le monde connaît, donc qui est une aide Pôle emploi. Qui fait du bruit, je vous donne celui-là à la place. Excusez-moi. Donc il y a une aide Pôle emploi qui permet de faire une formation en alternance 3 semaines, donc 2 jours en formation, 3 jours d'intégration dans un centre en fait. Et suite à ça, on s'engage à intégrer ces personnes-là sur un minimum, sur un CDD de 6 mois. Et l'objectif de 6%, vous pensez l'atteindre ? Alors moi je pense que l'objectif de 6%, je pense qu'il est atteignable, mais effectivement par le biais de la reconnaissance en interne. Par le recrutement pur, ce sera difficile.